beaucoup de choses. Il y a eu un seigneur de condition posé par le doyen des juges de soumission. Je crois que les conditions sont au nombre de 4. 1. Pour quitter l'enfant, répond rapidement à toutes les convocations que le doyen des juges de soumission nous enverrait au cas où il aurait besoin de vous pour les besoins de l'enquête. 2. Prévenir. Donc, le doyen des juges d'instruction, à chaque fois que vous voulez quitter le territoire national, c'est tout à fait les deux là, en tout cas, je les connais, pour avoir été impliqué abusivement dans l'histoire des incendies, des marchés de l'huile de carbone. Troisième, j'aurais dit, il ne faut plus parler donc des résultats de cette élection. Que les guerriers ne pas bannir donc les institutions, c'est-à-dire que, comme l'a dit le coordonnateur général, dans le cadre de la revendication de notre victoire, nous avons pris une certaine autre disposition, notamment par exemple au niveau de la coordination internationale. Il y a un site qui a été créé, il y a des nominations qui ont été faites. Donc, on dit, on ne peut pas avoir deux présidents, deux premiers ministres, deux affaires étrangères. Je vois toutes les conditions, mais il y a encore une autre, et je voudrais que ce soit clair pour tout le monde que, d'abord, nous considérons tout cela comme un peu abusif. Nous sommes autonomes, c'est pour ça que ça se passe comme ça. Aucun contentieux électoral ne serait ni par la cause brutale, ni par la corruption, comment dire, l'exception judiciaire. C'est un contentieux électoral. On n'a pas tué, on n'a pas volé. Mais je dis, nous sommes trop haut. La grande histoire s'écrit et chacun aussi de nous. Sur les universités. Demain, nous aurons des relis et jugeons. Oui, nous jugeons. Voilà ce que je veux dire. Donc, il n'y a pas d'autres, comment dire, négociations. Bon, on a vu la question, on a vu la demande, on a vu ceci. Rien. Voilà. Maintenant, par rapport de toute façon à nos 11 juillet qui ont été, comment j'ai dit, transférés à la ville, c'est aussi de la part du procureur de la République qui me dit que normalement, le jour du transfert, c'est ce jour-là qu'on devait le juger, que nos avocats ont été informés. Mais quand ils ont, on présume, donc ils sont infectés, on a préféré de tout d'abord les dégager, en tout cas les envoyer à la Jacques-Amérique, en attendant qu'ils soient en état de passer devant eux, parce que pour les libérer, il faut passer de toute façon par le droit des juges d'instruction, peut-être qu'ils doivent faire des papiers. Mais il est question même de les juger, donc ils doivent passer par là. C'est lui, de toute façon, qui va donner le conclusion et de l'interpeller. Et voilà ce qu'il m'a dit. Je voudrais que ce soit clair pour tout le monde, parce que je ne veux pas qu'on quitte ici avec le sentiment que. Non, ils ne sont pas infectés. Oui, ils sont infectés. Il faudrait que ce soit clair. Ce que moi, j'ai compris des échanges que j'ai eu avec le procureur de la République, il était question de tout homme qui était infecté. Il faudrait que ce soit clair. Maintenant, je me dis, mais les cerveaux qui sont là, je suppose qu'ils ne sont pas infectés. Il faut les libérer. Voilà la contribution qu'il voulait apporter par rapport à ce que l'avocat a dit. Pour que, en quittant ici, nous ignorons la vérité de cette situation. Merci.